un signal fort lancé contre tous les autres seigneurs de guerre et ceux qui conduisent des milices dans la partie du nord et sud de Kivu, mais aussi dans la province orientale, pour qu'ils sachent que tôt ou tard, ils auront à rendre compte, ils auront à faire face à la justice internationale qui leur demandera des comptes. Ce verdict sera un message fort à la lutte contre l'impunité engagée par la communauté internationale sur notre territoire. C'est aussi un message à ceux qui se livrent à de tels types de pratiques. L'enrôlement des enfants dans les rangs des armées, que ce qui arrive aujourd'hui à Thomas Lubanga est aussi possible pour ceux qui sont en train de s'engager dans cette lutte. Vous savez qu'il y a des gens qui ont tout perdu aujourd'hui. Et ils ont perdu le bien, ils ont perdu le parent, ils ont perdu même le corps. Vous vous imaginez des gens qui deviennent invalides de guerre. Quelle réparation accorder à ces gens-là? Ce sont des réparations symboliques.